User disconnected from your channel. Ah, deux raids pour essayer radio. Ok. Non, on va pas faire classique, on va s'entraîner un petit peu avec des canaux haut et canal bas. Le canal haut, ça va être canal 100. Donc je serai sur le canal 100. Déjà, tu désignes un élément de ton groupe pour rester sur le canal 100. Le groupe bleu, canal 102. Le groupe rouge, canal 104 pour les coms internes. Ok, Johnson, tu restes canal 100, le reste 104. Il a dit quoi? Canal rouge, bleu? Mais le groupe jaune, il est où? Jaune 104, 104, jaune, jaune 100. Et bleu, on fait combien? 102. 102 pour bon. Test de bruit. Qu'est-ce que c'est que ça, des balles à tout le monde? Du coup, Red, est-ce qu'il y a quelqu'un de bleu qui passe sur canal 100 ou quoi? Moi j'ai pas de sac moi. Bah non non, c'est moi qui ai fait la radio de moi, de bleu. Change de canal déjà. Vous êtes sérieux? Vous avez plus que les chargeurs 556 là? C'est moi qui les ai tous. J'en ai 37. Mais bon. Là, quand t'es OP, tu fais monter ton groupe dans le camtar. Autorité pour jaune. Oui. En canal 1, tu te mets 100. Chef le dit, on a besoin d'un AT ou pas? C'est quoi, c'est contrôle les chiffres, non? Non, regarde, tu vois, t'as C1 et C2. Tu veux pas que j'en prenne un parce que j'ai pas de matériel particulier à porter dans le sac à dos. Ouais, en C1, tu te mets en canal 100. Oh putain, mais c'est horrible, mais je peux pas. Non, y'a moyen de le changer. C'est rapide là. Oui, c'est bon, vraiment qu'il y a besoin d'un AT pour cette connerie. Ouais, je pense, on peut avoir potentiellement, il y a peut-être un véhicule ou deux. Ok, donc moi, bon, il est vide, mon partage, donc. Donc t'es au courant. Eh, t'as la DM. En 3. Pas moi. Pas ça. Je vais ouais, me mettre le canal 102 là, pour aller pourrir les autres. Pareil, bon. Bah écoute, si vraiment tu te sens de prendre un AT, vas-y. Hein. Déjà, tu veux. Ouais, j'en prends un, on peut ça. Je suis derrière le canal. Blake ouais, t'es où? T'es là. Ok, celui-là. T'as quoi dans ta droite? Ouais, répète-moi donc, canal. Alors, moi j'ai pris deux grenades frag, 3 grenades frag et après j'ai des bombes. Non, juste okay. 104, toi, tu t'occupes pas du reste. T'as un peu de feu de tour ou pas du tout? J'en ai pris une pour le principe. En fait, t'as un réseau haut remis. Je peux en prendre plus, hein, remarque. Pour l'autorité bah, et non, chaque non, groupe a un bon, canal de. Pour parler. Tu veux que je prenne des fumis? C'est ça, j'ai pas de contrôle P. Contrôle P. J'ai 4 fumis de 4 couleurs, ouais, je peux prendre quelques fumis. Donc, qui a pris toutes les 356 là? J'ai tout, j'ai tout. On passe des 300. Non, je fais les 300 quand on aura besoin. Red, t'es en quoi, toi Red? Ouais, je suis là. T'es en quoi, déjà niveau carte. Pour changer le canal, tu vas directement sur niveau quoi? Niveau carte, c'est quel calibre? Je suis 762, mais j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu dis après? Tu vas direct 104, c'est ça, c'est tout? 104, ouais. C'est dans le CE, c'est ça? Dans le CE, ouais. Ok, le nid de raid, je suis embarqué avec le mal. C'est juste ça, le nid bleu, on embarque à l'arrière du camion. Merci. Reçu. Il y a des feuilles dans le camion, chef. Ouais. Remis pour essai radio sur canal 104. Ah bah, je suis à côté de raid du coup. Radio pour essai radio sur 104. Bah c'est Romy cool. Johnson, c'est bah, mais pour toi j'étais rentré à l'arrière. Déjà pour essayer radio sur 104. Ouais mais c'est pas grave, c'est Il y a l'arrière. Arrière c'est passager quoi. Alors les zones on va monter aussi? Non, attends que Poon finisse son essai radio. Blake, en retard, vous êtes bien assis à l'arrière? Affirmatif pour rendre. Affirme. Ok, bleu est au complet.
Ah, tu m'as dit contrôle P, on est d'accord? Contrôle P, copain barbu. C'est la fréquence. Et ensuite, il faut t'appuyer sur verrou image pour parler. Ouais, verrou image. Non, mais ça d'accord, 104. Et après, tu vas lui de comment? On t'appuie sur entrée, ENT. D'accord, voilà. C'est ça moi, je me considère comme groupe appui hein, pour ce soir, hein, parce que toi et Black, vous avez une MG, et en temps vraiment, on a une MK18. Donc. Déjà, donc, et c'est radio. Si tu veux. Bah, tu me. Ouais, tu vas me faire la topo pour la conduite jusqu'au point 153 via le cheminement prédéfini. Pour information d'Antar, j'ai un AT aussi avec 2-3 bastos. Allez, jaune. Tu sais retrouver la route, c'est bon. Tu nous fais débarquer à 755. Ah, à quoi 755? On est sur la carte. Ah! Faut pas d'IVN pour cette mission, hein? Non, ça va. Kyle Jensen, tu peux transmettre. Je passe par le sud directement. On est à l'intérieur du camion. Okay. Il se peut on est à l'intérieur mission. Du camion! Je te mets des points. Très bien. Et les tirs là? Le tir, t'as compris? C'est bon, je pense que jaune est à l'intérieur. Ouais, et jaune, les coms, c'est pas. Bah, j'ai Jason, il a fait un bon truc, quoi. Rien à foutre, on a dit on s'entraîne, Johnson. Attention, les équipes. Ah, il est rapide. C'est un poids lourd, le bordel. Oh, ça m'a rappelé le jeu. Bah, prochainement, passer dessus. Oh, la piscine elle est vide. Scotch. Enquête d'autorité à tous les postes, on débarque. Jeune débarque. Perçu. Le débarque. Le débarque. Ok, donc on fait un point tous sur moi. J'ai tout le monde là. Ok, Dézard, tu veux nous emmener au point 145. Tu nous emmènes en colonne là-bas, tu passes en premier et bleu va te servir d'appui. En 145. En cas de contact, on se fixe, on prend des postes de combat et on détruit sur ordre. John, on s'aligne au niveau du. Je veux voir ce que vous avez comme arrière. À l'avant, on est à l'arrière. Ok. Encore, tu passes deux. Ok. Red, tu vois sur la colonne, il y a un peu devant, il y a un peu derrière. C'est bleu, vendu. Pas de problème. Il y a bleu 2 en cas de souci. En cas de souci, vas-y, encore. T'as une lunette, c'est bien. Ok. Il y a des autorités. Yep. En jeu, on 2, 3, 4, 7. Jaune, parlez.
Rapporte à ton chef de groupe qu'il me faut un supplément s'il y a un suppléant si tu. Avance, avance, avance. Suppléant Johnson. Bien reçu, jaune. Ici bleu, le contact est pour chef de groupe. Putain, ouais, je suis jaune, merde. Non mais c'est délirant là, on est juste à côté, on peut se parler comme ça là, c'est complètement. J'étais en fin de colonne, putain, t'as des problèmes. Mais il t'a entendu directement quoi. Il est tu m'entends radio. Bah bien sûr. C'est qui à côté? C'est Johnson. D'accord. Bon, ouais, désolé, c'est que j'ai pas mon casque. Alors j'ai baissé un peu, moi je vous entends pas. Alors moi je nomme comme vice-président Apoon. Ah da da da. Ok, bah quand tu veux, déjà ton initiative. Bon, reçu. Oh ouais. Ça a repris devant. Ouais. Quel azimut c'est du contact? J'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais sur la deuxième fois de montage. Sur l'arrière. Ok, on les laisse vivre. J'allais faire. Pathétique, dès que je me mets à gauche du mur. La ruine, c'est pas spécialement exploitable. Ouais. Non, il manque une fenêtre là. Pour autorité pour contact. Ouais, stand-by, tu lui demandes qu'il nous fasse passer par le 280, là, la première masse rocheuse, on va poser un appui avant de faire grimper là-haut.
Le flanc de ce côté a l'air plutôt clean. Ouais. Visuel sur 280. Duel. Duel. Ouais, visuel, y'a rien. C'est clean. Et au 290 aussi d'ailleurs. 290-300, ça a l'air clair. Même tout ce qui est avant, hein, 200. Voilà. Jusqu'au 260 à peu près, c'est clean. Hein. Après, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais. 310, j'ai rien. Merci beaucoup. Attention, jaune se met en route. Ok. Jaune reprend la route. Perçu. Fake, tu peux y aller. Ok, je regarde à droite. C'est à la gauche. Ouais, je vois, je vois, je suis. Proche de l'attaque cardiaque. C'est fatigué là. Ah ouais, demande que la zone de ralentissement quelque chose. On va faire un appui de toute façon là-haut dans la zone sortie. À part son dos, il y a pas de son appui. Ouais, ça va encore, mais ça passe encore. Ça va pas tarder. Reçu d'autorité en arrivant au site. Vas-y, là, il emmène nous là-haut, qu'on prenne les postes de combat. Allez, Antar, on reprend la route. Ok. Ouais, je sais. Non, j'ai dit Antar, j'ai pas de flèche. Ouais, le flèche est mort. Okay, là. On va se savoir. Ok, là que tu passes tes hommes face au 240, j'arrive, je vais faire un point avec Daz. Je suis là, parce qu'elle est en black. Ouais. Crochet juste en bas. Tu te places de manière à pouvoir appuyer 240 avec ta main, on va pas les prendre en position. Ok, reçu. Pour information, Audi, on a des petits rochers en bas au 240. Ouais, c'est bon, il y va. T'es avec toi, mec. Va avec lui, ouais. Mets-toi en binôme avec lui. T'es mon binôme, mec. T'es à ta gauche. Il me reste. 24-18. Avec une belle simple. Pas les distances, j'ai rien, hein, donc c'est. Mettre. Je vais donner une indication du fond, ça peut être au moins. Non, mais t'inquiète pas, on a la carte, hein. Ouais, non, mais au cas où, les rochers en pointe sont à 550 mètres.
Ok, merci. D'accord. On est où là sur la carte On est normalement au point 140. Non, pardon. Au point. On est au 97, non? C'est pas on ça est... Ouais, on est à la... au 97, donc légèrement en contrebas sur la gauche. La... Le petit symbole de montagne en contrebas sur la gauche, vous êtes. Pause. Ok. Ok, à faire. Alors je vais mettre un petit point. Sûrement en fait, il y a une deuxième série de mâches rocheuses, tu vois. Tu te mets au niveau de la deuxième série de mâches rocheuses et t'essayes de te mettre juste sur le dessus, que y a rien qui puisse arriver par derrière, qu'on puisse rester à des distances correctes pour pouvoir vous couvrir. Il y a le bruit. Ok, go, on vous couvre. Ah. Jaune, vous avez entendu les consignes. Ok, Jeune va faire un bond jusqu'à. Pardon, Mike. Jeune va faire un bond jusqu'au deuxième, la deuxième compression rocheuse sur le 250 là. Donc tu passes tes âmes en mesure de les couvrir jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas. Excuse-moi, putain. Pour information de Bleu Antar à Bleu Leader, on a un homme isolé à peu près à 500 mètres à 260. Azimut au niveau de la, crête. Fixe. Ouais. T'as entendu, Red? Ouais, correct. On est un petit peu à droite et du crochet avec un creux à l'intérieur. Vous êtes en mesure de d'autorité pour contact. J'ai pas la distance exacte, je le réponds en indien. Plusieurs packs à cet azimut là et en descente actuellement, 260. 260, ok, ouais, je les ai. 3 packs. Distance 850 mètres. Oh là, je veux bien arroser, mais je l'aurai jamais. Moi, ouais, pareil. Red, on est à. Trop loin. On est à 850 mètres. On va pas pouvoir. Ok, on se rapproche. Arroser, on gagne, mais... on gagne 300 mètres en passant sur le manon. Ok, ouais. on va avancer un petit peu une fois qu'on est posé, vous nous rejoignez. Ok. Allez, comme ça, au cas où j'ai besoin, je vous couvre tout le temps. Je vous couvre tout le temps au cas où. Je vais faire baisser les têtes. Ça marche. T'as entendu, Red? Ouais, j'ai entendu. Vas-y, file, je te suis. 5 packs. C'est passé à 8 packs. On peut passer ici, plus les MG au niveau de la maison en bas. Ouais. En tard, Blake, vous nous rejoignez sur la petite colline devant vous. Ok, bien. Reçu de Blake. Là, je vais prendre les distances. ...810 mètres. Ils sont en train de descendre dans la vallée, les gars. Les deux MG, vous avez passé au niveau de la maison, je pense que ça peut être, comme je dirais, ça peut être un bon point. Si tu veux, ouais. Black avec moi. Oh, on est à quelle distance à peu près du bord de la forêt d'ici là? 8. Bord de la forêt. Ouais, ouais, en bas en face. 292 mètres. Et au bout de la forêt? Le bout de la forêt, 600 mètres. D'accord, on fait 300. Ah, ils sont en. Attends, c'est à nous là? Non, c'est pas à nous ça. Ils sont où les nôtres? Ok, je les ai en contrebas, justement. C'est l'azimut les nôtres? Les nôtres ils sont azimut 250. D'accord, ils sont en droite. Ok, je les vois. Ok, Red, les packs sont en éloignement de l'autre côté de la montagne. Négatif, ils viennent de faire demi-tour. Bon, pareil. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en ligne. Putain. Il y en a un autre qui est à azimut un peu plus loin, azimut 280, mais il est en éloignement de droite. Ah, je pense que je pourrais... On a deux autres packs éloignement droite, à peu près à la même distance, en 280. Dans la forêt. Négatif, éloignement gauche, ils sont en train de remonter les squads. Ouais, mais il y en a d'autres à droite encore, en 280.
dans quelle distance les packs là? Attends, je te reprends la distance exacte. Ils sont vachement proches de notre groupe là. Quoi? Distance exacte 736 mètres. Ça tire, je crois. Attends, ils sont passés où les deux? J'ai entendu tirer. Ok, ils sont en montée à azimut 246. Tu les vois le long de la près de la masse rocheuse? Ouais. T'approches des packs. J'ai perdu le visuel sur les packs. Ils sont azimut 267. Ils dirigent vers eux doucement. Ouais. Encore à 400 mètres. Je vais regarder un peu de l'autre côté. Ça a l'air clean à gauche. Ok. Les packs sur le versant de la montagne sont en cap de rapprochement. Affirmative, distance approximative 800 mètres. On a toujours 3 packs qui se dirigent vers le 300 en défilement droit vers le même nom. Tu vois l'OID? Attends, tu m'as dit au combien au 300? Enfin, un peu moins de 300, 280. Pour eux, c'est le 300. 280? Ouais. Où ça, ils sont? Ouais, ils sont rentrés dans la forêt là. D'accord. Bah j'ai pas fait attention. Pour sortir. Distance du squad 730 mètres. Jeune leader pour Black, pour contact. Black, jaune t'entendra pas, t'es pas sur le même canal. Bleu, pardon, excuse-moi ma poule. Restriction de tir, c'est quoi? Autorité pour contact. Ah putain, il est pas sur le même canal. On engage, grave, que, si, on engage que si menaçant pour jaune. Tu vois, en tant que j'ai pas les règles d'engagement d'autorité. 275 voilà, d'autorité, si vous êtes sûr de détruire, vous détruisez, mais vous prévenez avant de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a au 275? Il y a un mec au 275 qui est en train de descendre la colline. Affirmatif, j'ai envie. Distance 780 mètres. Comment? C'est plus loin que la forêt, je vais se tomber. Le squad est en train de descendre à azimut 269 en défilement droit, si je dis pas de bêtises. Pour info, le placement est au 249, distance 440 mètres pour notre squad. Un nouveau pack qui vient d'apparaître au 260 et qui descend aussi à droite. Au 260. Enfin, le même que dans le même endroit que tout à l'heure. Ok. Passe vers le 270, vers le 280 et défile vite. Ouais. On va rechercher notre team, où est-ce qu'elle est? Elle est au azimut 249, distance 434 mètres, pratiquement en haut de la montagne. Ok, je les vois, ouais. Il n'y en a pas un qui regarde à gauche. T'as vu ça, Lloydy? Ouais. Il y a des mecs qui leur arrivent dans le cul, ils sont mal barrés. Le leader pour autorité, pour contact. Demande à Blake, il est à côté. Ouais. Blake, tu peux prévenir Red que Jaune n'est pas en mesure de couvrir ses 6. Il n'a personne qui regarde ses 6. Et ça ouvre le feu. Ouais, d'autorité, actuellement je suis en train de couvrir les 6. Jaune opère un tir de destruction sur 3 packs à 800 mètres de leur position.
les traçantes, t'es d'accord qu'elles vont au 304 là. Ouais, et ça touche à rien. Par contre, il y a des mecs toujours en 280 si tu regardes, ils sont fixés. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a aussi des mecs qui sont en train de descendre de la crête en 290. Et ils ratent complètement hein, s'ils tirent dessus là. Vas-y, c'est 290. Ouais, et là, donc, il y a maintenant. T'as deux mecs qui descendent qui sont presque dans la. Ah, ils viennent de disparaître. Ah, ils réapparaissent. Juste au bord de la... Ils sont en train de descendre au niveau de 283 maintenant. Bleu leader de Black, soit avisé qu'autorité a ordonné un stand-by de notre part. On reste sur ce plan-là en attendant de voir ce qui se passe. Reçu de Bleu autorité. Attends, je suis sur le 280 là, j'ai rien moi. Non mais c'est trop tard, ils viennent de rentrer dans la forêt, ils étaient juste à la limite de la forêt à l'extérieur. Ah oui, d'accord. Par contre, il y a le squad qui est en 277, hein. Ouais. 711 mètres. Ouais, je le vois, ils sont en train de se diriger vers la droite. Donc là, vous aurez perdu les packs de vue en 277, 710 mètres pour le squad de 6. Allumé par derrière. Je peux faire un tir dissuasif si tu veux, Bleu Lead. Négatif, ils sont déjà sous le truc jaune, on va garder nos bateaux, sait-on jamais. Et rassure-moi, ils tirent pas sur eux là, parce que s'ils tirent sur eux. Bah, visiblement, ils ont tué 4 mecs, donc ils tirent sur quelqu'un. Ah oui, effectivement. Ok, je vois ton pack en défilement gauche, qui vient de, les deux packs qui viennent de passer. Voilà, c'est ça. Pas une meilleure position de... À la limite, on aurait le maman à droite, là, au 200-330. Je sais pas si ça va aider beaucoup. Ouais, je suis pas sûr. On s'éloigne 153, encore, hein. Ça. Ouais, c'est 153. Le leader d'autorité. Le leader, j'écoute. Jeune stand-by sur ses positions, en voie d'un binôme de reconnaissance aux 340 de leur position pour contourner la masse rocheuse. D'autorité est terminée. Ok, bon, on va y aller tous les deux alors. Ok, on y va avec Antar alors. On peut aller aux 340 ? Aux 340 de leur position. Parce que la nôtre, c'est la même chose. Ouais, pour contourner la masse rocheuse. Mais il veut qu'on aille au mamelon en face. Hein. Ouais, c'est direction 153. Tu peux demander une confirme. Mais quoi, il y a une confirme ? Non, mais direction 340 sur la broche 153. Ah oui. La colline. Donc tu confirmes autorité direction 340 au colline 153. Je n'entends pas. Le leader d'autorité. Leader, j'écoute. Ouais, tu reformes avec nous, on va prendre position sur le secteur où se trouve le binôme de reconnaissance de jaune. Ouais, si. C'est eux qui sont partis en recours en fait. Ouais. On avance. Position. Ouais, visuel. 255 en bas de la masse rocheuse. Ouais, visuel. On y go. On y go. Ok, j'ouvre. Vas-y, je te suis.
Ouais, je te suis. Affirmatif. Ah, ils étaient pas en visuel direct, ils étaient à 500 mètres de cette position. Non, rien, y'a Johnson qui balance des coms qui ne sont pas destinés. Oh, des satellites là. On va fatigué, mais ça va. Ils sont plus très loin. Ils sont en haut, normalement. Oh, 260. À gauche du rocher. Toujours des packs. Oh, oh. Contact. Il y a d'autorité pour jaune pour contact. Lloyd, mets ton groupe en sécurité. Départ de feu depuis 320. On est en déplacement. On est en sécurité. Jaune d'autorité pour contact. Ouais, Quelqu'un à ta droite. Ouais. Lloyd, il est où? Ouais, je suis là. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la distance au 320 si tu vois les packs entre 3 balles? Déjà, les packs en contrebas sont touchés. Ouais. Distance 400 mètres. Est-ce que tu veux que je me les fasse? Attends, je demande à jaune, à l'autorité. Black, Red. Le leader d'autorité de contact. Bleu d'autorité pour contact. Je t'écoute. On se fait flanquer par l'arrière là, tu restes sur ta position, tu restes sur ton secteur, tu m'envoies un binôme renforcer le groupe de jaunes pour rechercher les deux qui sont fait shooter. Ok, Blake, Antar, vous rejoignez Red. Ah putain, il y a 50 mètres en bas là, on va se faire défoncer. Que... Bah t'es sûr parce que là on a bien visuel sur un paquet de packs, il y en a au moins une bonne vingtaine. Ok, vous deux. Vous... Informe-le parce que je crois qu'il n'est pas informé qu'il y a une bonne vingtaine de mecs. Vous deux, vous couvrez ces. Tactical, il y a même un tactical sur là. Tactical au 310. On est repéré ou pas? Tactical au 310. Ok, faut prendre le dessus de la montagne, là on est en plein fond, on va se faire visiter. Tu t'envoies ton binôme le haut, renforcer l'aise. On claquera ces mecs là en seconde attention si on n'est pas repéré. Vas-y, on t'en remonte. Il y a un tactical au 310, hein. Avec un calibre 50. Blake, ouais. Recule, je garde l'azimut. Ok. On est parti. Blake, là, pour le moment. Tu renforces Antar, il est parti là-haut. Tu te mets aux ordres de Deza si besoin. Ok, affirmatif. Distance 400 mètres, hein, les packs d'ici. C'est visuel. Ah, yeah. Il y a mucho bâtard. Il y a un tactico là avec hein. Ouais, c'est vu aussi. Non, mais on voit rien ici quoi. Je crois que dalle, faut que c'est à gauche. Oh ouais, non, non. Je te laisse en position, une seconde. Binôme de bleu, on vous a rejoint. On a un AT en cas de besoin pour shooter le tactico là. C'est bon, ils sont rejoints. 320 ils étaient. Je peux essayer de détruire De Antar bleu à Louis. Pour l'instant, leader, j'écoute. J'ai plus de visu sur le tactical depuis ma position. Je l'ai en visu. Dis-lui qu'il se concentre. Je pourrais pas le shooter en cas de besoin. La sécurité des groupes de jaunes là pour le moment. Occupe-toi de relever les deux blessés de jaune et d'assurer la sécurité sur leur arrière. Mais ils ont pas de blessés jaunes, ils sont tout ça. Apparemment, jaune n'a pas de blessés, ils sont 4. Deuxième tactical, Red. Deuxième tactical au même endroit. Ouais, mais ça tire à l'arrière, là. Ça sert à rien.
Antard, décale-toi encore plus vers l'arrière. Jaune d'autorité pour contact. Ouais, rapport de situation. De la merde. Ok, vous faites le point sur, sur une menace éventuelle qui peut arriver du sud-ouest. Si le secteur est clair, vous gardez un mec en protection sur le sud-ouest et vous mettez face au nord-ouest. Il y a deux tacticals et un groupe de au moins 20 tacticals en mouvement. Tactical en mouvement. Pour l'instant, ils sont 4 à visualiser au 140. Tu fais mettre ton AT sur, en direction d'un des tacticals. Antar. Oui. Quoi. Ils sont en train de tirer au 140 sur impact. Non mais toi, c'est pas en action. Je non, il est pas en train de faire feu. En quelle direction? Ok, Antar, tu nous rejoins, tu gardes en visu avec ton lanceur de tactical. Ok, j'arrive. Et de Black, je fais quoi? Black, il revient avec nous. Ouais, correct. Black, tu nous rejoins également. C'est en retard, je recolle à la position. Ok, alors t'as le choix du tactical. Le tactical soit près de la route que tu as vu tout à l'heure, ou tu as le tactical à 10 minutes. Je pas. Un négatif, il a fait le choix sur la target. Tu prends la target la plus proche, en retard prends la target la plus éloignée. Mais ok. Et moi je prends le tactical sur la route. La route. Vous faites attends. Un tir simultané. Attends. C'est quand vous voulez. Attends. Déjà je te donne la distance. Non mais j'ai pas besoin de distance, t'inquiète pas, c'est bon. Ok, 430 mètres, pour ma part il est à 470 mètres. Laisse-moi juste le temps de sortir mon truc. Tu doubles sur le tactical qui est sur la route, je double sur le tactical dans le champ. Ok. De quoi? Okay, jaune pour autorité, pour contact. Attends. On va claquer un tir de destruction sur les tacticals qui sont au 320 de notre position. Vous vous rendez compte quand vous êtes free là-haut? C'est celui-là que je vais tirer, moi. Attends. Sur action de feu. Dépêche-toi de prendre son adversaire à freiner, là. Vas-y, envoie. Feu. Descendu. Ok, un tactical de détruit. Un second besoin, quoi. Non, c'est bon, on a détruit le tirage. Gâche pas, tu garderas pour l'infanterie. On a détruit le tirage. Je retourne à terre. Conducteur détruit dans tactical. Ça dérive à droite. Écoute de ceux qui sont à droite. Jeune pour autorité pour contact. Tu es à droite. Ouais, sois avisé qu'on a de nombreux packs qui remontent vers nous depuis la forêt qui se trouve au 320 de notre position. Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire un appui si on a besoin de bouger? Et votre secteur il est clair pour le moment? Reçu d'autorité, vous l'avez abandonné parce que c'était trop chaud, parce que c'était il n'y avait pas de packs de déclarer. Okay. Ça se chez nous, il y a un sniper qui nous tire dessus. Où ça? Reçu d'autorité, stand-by sur opposition. Il y a toujours un tactical, on le détruit ou pas finalement? Négatif. J'ai tué les deux mecs. Il m'en reste un peu de patate. Il est chine dessus tout à l'heure. Tirez sans gâcher les munitions, mais essayez d'abattre un maximum de cibles. Perçu. Bonne. Chargeur. Putain.
Pas voilà, on va faire, Loïc. Je remonte. Pour information, je remonte le blessé, j'ai balancé une fumée. Reçu de blague. On est trop exposé, on a perdu la position ici. Tiens-moi informé quand le leader sera... Je suis en train de remonter la colline. Remonte pas trop loin, tu risques de perdre... Non, non mais attends, ça va me faire asmater là. Juste à T6 là. Salut Chromie. Okay. Black, ta position. Quoi Black? Black pour Blue Leader. Merde, il s'est pas smaté également. Et où il est? Black, s'il prep. Il était sur notre gauche. Voilà, okay. Je vais aller voir attends, ça. Attends. Red de Blue Leader pour contact. Appelle Jude à lui. Romy, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ok, est-ce que t'as des nouvelles de ce leader? Négatif. T'as bougé, vous êtes fait repousser? Ouais, Red Black est touché en bas. Black est touché? Ouais. Ok, après. Toi avec ton TE, tu prends ce... Merde, attends, on a perdu un mec à droite. Antar. Ouais. T'as un TE aussi, toi? Ouais, j'ai l'équivalent d'un TE, ouais. Ok, tu pars en haut, là, au 190, et tu prends le secteur au 140. D'accord. T'as un binôme en protection sur l'arrière, déjà. Faut qu'on sépare les forces. Ok, c'est bon. Ok, je te remercie. Red? Ouais. On a Blake qui est à peu près... C'est copié, il a pas bougé. Au 350, ouais. Simpson. Ok, tu gardes ton sur, sur la vallée à peu près sur ce secteur là. Je suis arrivé Romy, au 190 et je suis derrière toi. C'est où Romy? Romy, approche-moi. Ta vallée sur le même secteur. On aura un contact sur Johnson, je sais pas ce qu'il est devenu. Grenade. Contact rapproché, Red, contact rapproché. Putain, sa mère, il est perdu. J'entends des cadavres pas loin de moi. Ouais, attention, bleu, jaune est tombé, leader de jaune est tombé, la radio de jaune est tombée également. Il y en a de partout, fais gaffe. Les fils de gnou là. Putain, merde, son corps il a disparu à Romy. Ah, bug. T'inquiète, tu vas revenir, faut le faire quand même. Criez les mecs! Grenade! Putain, il est où, le leader d'autorité pour contact. Le leader du côté. Ouais, on a des mecs qui arrivent au 60 qui sont à bout de porte. Ok, je vais de Antar à bleu, je vais essayer de revive les deux équipes. Vas-y, décroche, cours. Bloqué. Putain. Attends, doucement, on va se faire allumer. C'est bon? J'ai revive Disa, je remonte à ma position. C'est copié d'autorité. On reforme sur la position d'Apoun. Je suis sur ton nez, je suis en train de le revive encore une fois. En 140, il y avait des mecs en position proche. Hein. Red, n'oublie pas qu'on a Blake en bas. Hein. Ouais, non, j'oublie pas, mais là, faut qu'on se reconditionne parce qu'on a des mecs à bout portant là.
Vous avez sauvé Black ou pas? Négatif. On peut pas redescendre, ils sont là, on va aller le chercher, mais pour vous. Vous postez en étoile, chacun derrière un poste de tir qui soit un peu fortifié, les gars là. Ok. Ah, y'a pas beaucoup de projets. Je vais aller le couvrir avec l'OID. Quelqu'un a des nades? Ouais, j'en ai plus qu'une, j'ai des fumis. Pareil. Ok, vous hésitez pas à les balancer, hein, oui, qu'on commence à se faire un peu trop là. Rapport de mec, si tu nous entends, on t'inquiète pas, on va venir te sauver. Johnson dans quoi? Johnson, je l'ai soigné, il était séché au bord d'une buée du ravin là-bas. Rapport des pertes, des uns. Wow, wow. Proche, c'est deux morts à l'arrière. Parce que je vais couvrir à l'arrière. Je me lance une nade. Je m'occupe de vous, putain, les bandes de salauds, va. C'est moi là, ici. Le contact abattu. Okay, un troisième potentiel. J'étais avec toi. Ouais, jeune d'autorité pour contact. Je revive à plus. Ok. On couvre. Des actes, Johnson, il est où? Ouais, je t'entends. Un peu plus loin. Johnson, je l'ai un peu plus loin. Ok, vu. J'ai essayé de le rejoindre. Ton groupe est bon là, Dez? Je sais pas, non, où il manque Johnson à droite. Parce que bon, il y a Poon qui est toujours avec K, Johnson qu'il faut revive sinon. Ah bon, à Poon on va considérer qu'il est mort là. Oh, par contre, faut aller chercher Black, putain, je suis bloqué sur ce côté. Johnson, revive. Ok, tu reviens avec lui ici. Hein. Viens, Johnson, je vous dis. Désert. Ouais. Tu fais une étoile avec ton groupe, on va envoyer binôme par binôme, on va se diriger vers la position de Black et se prendre un visuel. Pour ça, j'ai besoin que tous les secteurs soient couverts. Binôme sur cette position là. Étoile sur cette correct. Position. Étoile sur cette position, vous éloignez pas à 25 mètres les uns des autres pour pouvoir vous aider mutuellement là. Essayez de croiser les feux, essayez d'avoir des secteurs qui soient fermés. Ok, Jensen, tu prends le sud-ouest. Romy, tu prends le contrebas au sud là. Où est-ce que t'es? Juste en avant de ta position. Il y a deux ou trois là qui montent. Ok, tu reviens en arrière et tu vas envoyer ton binôme faire une reconnaissance doucement, rocher par rocher. Ton binôme, c'est toi et quelqu'un ou c'est toi et Antar? Non, c'est Antar et... Ah putain, ouais, excuse-moi. J'ai oublié que j'étais dans ton groupe. Ça va être toi et Antar. Ok, Antar, t'es prêt? Antar, tu laisses ton tube ici pour bleu, pour jaune. Ok, mon tube il est là, par terre, je vous laisse une roquette. Équipez-vous léger, les gars. Et le sac. Ouais, déjà tous des sacs. Regarde, derrière toi, il y en a deux qui sont à terre. Hein, non, mais il y a ce qu'il faut dedans. Plus des sacs. Dedans, il y a une roquette. Ok, Antar, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va aller chercher Black. Hein. Sud-est, okay. Black, on arrive! En avant. Tu prends un visuel pour le moment, tu fais rocher par rocher. Ah ouais. Antar, rocher par rocher, on avance doucement. Tu sors à droite. User joined your channel. Oh, il est en direct, quoi.
Putain. Déjà en plus. T'es juste dedans. Body sex. Il est à terre. Il est en bas à l'endroit où j'étais. Il y a trop d'ennemis, hein, il nous chasse pas en bas. Il y a Lloydy qui est en bas à droite, sauf s'il est sauvé. Ouais, je vais rejoindre Johnson. Je soigne Lloydy. Okay, le leader va être debout. On a des Zach encore à gauche. Ok, mort. Tu veux qu'il me soit une leader, je sais pas c'est qui, revis, merci, mais. Oh la vache. Par toi. Ça tape à droite, c'est bien. Mais il meurt de mes couilles, j'arrive pas à te mettre. Déza, t'es tout seul, t'as explosé en haut et t'as du monde tout à gauche. Déza, t'en prends, dégage, décroche. Non, mais je sais. Contact en bas, approche. Que personne ne vienne me revive, hein, c'est pas la peine. User left your channel. Bleu 2 pour autorité pour contact. Attends, c'est toi. Lloydy pour autorité pour contact. Lloydy, je t'écoute. Mais toi, c'était bleu 2. Rapport de situation là, t'as combien de mecs au tapis et t'as combien d'éléments à nous sur ton secteur? Pour l'instant, avec Antar, on est tous les deux debout. Blake à respawn, je suppose. J'ai Johnson sur ma droite en hauteur et il me semble qu'il y a Romy qui est à terre. Romy et Déza sont à terre, je pense. Et j'ai pas de nouvelles de Déza. Putain, j'ai un mec qui sort de trop bas là, il vient de passer. Le petit connard.